quand je viens de terminer de m'arranger, je m'en vais au Rockland. I'm so excited! Je vais aller faire un petit stop au Sephora parce que j'ai besoin de renouveler des sérums. Je vais aller aussi au H&M parce que j'ai vu quelques trucs online que j'ai envie d'acheter. Je vais aussi faire un tour au Zara. Ensuite, je vais aller au Starbucks. D'ailleurs, je vous ai demandé vos recommandations sur Instagram des drinks que je devrais essayer au Starbucks. J'ai comme envie de prendre quelque chose de différent. Je sais pas, comme le petit pumpkin spice, I don't know, latte or whatever. C'est pour l'automne, là. J'ai envie d'essayer ça, en tout cas, à suivre. Je vais choisir parmi vos recommandations. Donc là, c'est ça. Rapidement, je porte un petit crop top vraiment simple de chez Zara, mais vraiment comme pratique, genre, je l'aime tellement, je le porte assez souvent. Ces pantalons-là du H&M. Et puis ces chaussures-là, je pense que c'est les Nike Air Huarache. Something like that. Puis je vais mettre un petit jacket parce que je pense qu'il fait un peu, frisquet dehors. Donc, je vais mettre mon maquillage. Puis là, whatever. Puis là, j'hésitais comme de mettre ce petit sac à main là. C'est quand même cute, mais genre, I'm not in that vibe. Donc, je vais mettre encore ce sac à main là, ce petit, je trouve qu'il est comme gros un peu là, comme, je suis un peu tannée là, je le mets tout le temps puis comme, c'est bien là, mais genre, je l'ai trop mis là, comme je suis tannée un petit peu, genre j'ai envie de prendre un break puis comme d'avoir d'autres alternatives, j'ai besoin d'un nouveau sac à main, that's what I'm saying, you know. Bref, ça va être ça pour aujourd'hui, parce que comme c'est pratique puis genre c'est plein de linge dans tes bras, ben comme t'as pas à tenir ton sac à main. Bref, donc c'est ça qui est ça. Donc, je vais vous apporter along my day, my shopping day. I'm so excited. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été comme au Rockland pour shop. Mais là, je vais pas shop énormément, mais comme juste, you know. Je vous montrerai une fois revenu mes achats. Donc, guys, il fait finalement vraiment chaud. Je sais pas si j'ai fait une bonne affaire de mettre cette jacket-là, mais en tout cas, on my way to Rockland. Je dois vraiment couper mes cheveux en revenant. Yeah. Thank you.
Donc, guys, je viens de terminer de pacter tous mes vêtements pour aller shooter du content au Vieux-Port, au Vieux-Montréal. Donc, j'ai une housse puis deux sacs. Puis, j'ai pour environ 5, 6, 7 kits. I really need to leave. Je vais aller au Vieux-Port shooter mon content. Super excited. It's such a beautiful day outside. It's gonna be a lovely day. Chez moi, j'ai passé la journée à shooter du content. J'ai pas eu la chance de shooter tous les outfits que je voulais. Il y avait comme tellement de monde au Vieux-Montréal, tellement de construction aussi. Puis il fallait payer pour le parking et tout. Comme c'était un petit peu chaotique, mais c'était le fun, il faisait vraiment beau. Mais là, j'avais comme pas mangé, j'avais faim, puis j'étais comme rendu comme 3h15. Puis ça faisait déjà comme un bon 3h30 que je shootais du content, puis là ben j'étais comme un peu tannée, donc je me suis dit je revenais comme vers chez moi, puis là, j'avais tellement faim, puis là, il y avait plein de trafic. Anyways, je suis allée m'acheter une pizza au pizzeria numéro 900, donc j'ai déjà mangé comme le trois quarts dans la voiture, mais là il me reste une petite pointe, donc je me suis dit que j'allais finir ça. Faire un petit haul pour comme l'automne, des achats que j'ai fait hier lorsque j'allais magasiner. Puis je suis vraiment contente de mes achats, donc je voulais partager tout ce que j'ai acheté avec vous. Alors je vous montre ça. Ok guys, donc ça c'est le premier outfit. Donc le top vient de chez Aritzia. Ça par exemple je l'ai pas acheté hier, ça fait déjà un moment que je l'ai, mais je trouvais que ça allait super bien avec les pantalons. Les pantalons, je les ai achetés hier, je les ai achetés au H&M. Guys, ils m'ont coûté 24,99. Can you believe it? Je les aime tellement, comme je les aime trop, guys. J'ai mis ça avec des loafers. Donc, je pense pas qu'on les voit si bien de loin, mais les petits loafers, guys, ils m'ont coûté 29,99. Il en restait juste une paire avec ma pointure au H&M. Puis après ça, je suis allée au Zara, puis j'ai vu comme legit les mêmes à 80$. J'étais tellement contente de mon achat. So guys, run to H&M, puis allez vous acheter ça parce que c'est vraiment comme un no-ben là. Vraiment contente de mon achat. Je trouve que c'est un beau outfit. J'ai acheté aussi le blazer, qui est 29,99, je pense que c'est ça. Le blazer est 39,99.
Puis comme vraiment nice. Monter un peu les manches comme ça. Puis comme ça fait plus comme corporate. Après ça, guys, j'ai acheté ce petit cardigan-là, vraiment simple, mais comme j'en avais vraiment besoin d'un. Ça, c'était, je sais vraiment plus c'est quoi le prix. Genre, j'ai perdu l'étiquette entre hier et aujourd'hui. Can you believe it? Je ferai les petites recherches puis je vous l'inscrirai juste ici. Mais, ou je vais mettre ça dans la bio en bas. Mais ça, ça vient du H&M. Donc, je trouve que c'est juste un bon basic à avoir. Puis là, je viendrai mettre soit le blazer par-dessus. Comme j'aime tellement, genre, ce outfit, guys. Puis là, avec les loafers, j'ai juste rajouté des petits bas noirs. Je trouvais comme ça cute. Des petits bas comme en bas de nylon, si je peux dire. Donc, vraiment, vraiment mince. Puis ça faisait juste comme une petite touche, genre. Je sais pas, un petit peu plus habillé, je peux dire, exemple, pour comme l'hiver. Je trouvais ça vraiment joli. Puis là, juste vous montrer, je viendrais comme mettre ça avec un petit crossover bag. Yes! Et un autre morceau que j'ai acheté, que j'aime tellement, puis ça fait tellement longtemps que je voulais acheter, c'est un trench coat! Ça fait tellement longtemps que j'en veux un. Guys, ah, j'aime. Je suis tellement contente, là. Comme, tellement beau. Ça, ça vient du Zara. C'était 119,90, je pense. But it's so worth it, comme ça fait tellement longtemps que j'en voulais un, comme vraiment longtemps là. Puis comme, finally I got it, comme tellement nice, j'aime tellement ça, ça fait tellement genre classique, mature, je pense que ça fait genre un peu style comme Burberry, je trouve que ça fait très français, en tout cas, I'm loving it, puis genre j'aime ça à l'arrière, que ça fasse ça ici, un peu genre style Inspecteur Gadget, comme yes, love it, comme ce outfit, woo, I feel strong, confident, I love it, comme yes. Puis là, on peut ça le mettre avec un crossover comme ça ici. Comme guys, I'm ready for fall. Ou, on pourrait aussi mettre avec un petit sac à main comme ça ici. Genre, si on veut un style un peu plus comme chic, si je peux dire. Comme je m'en vais au restaurant. Ou genre, je me promène sur la rue, je sais pas, Sainte-Catherine, genre, downtown. Puis genre, je veux rien dans les mains. Puis comme avec un petit cross body. Ah oui, d'ailleurs, ça vient du Aritzia. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ça ici, ça vient du Zara. Je vais le mettre comme ça aussi. Mais il est un petit peu long, là, comme j'aime ça quand c'est un petit peu plus remonté. Mais c'est rare que je le mets comme ça, mais ça peut aussi. Ça ici, ça vient de où ça? Je pense que ça vient du Aldo. Ouais. Donc, c'est ça. Super contente. Belle. And snap! Ok, just kidding. If you understand which movie that is, you're real. Et puis genre, c'est nice aussi comme on peut le monter un peu comme ça, tu sais, comme, you know. Puis genre, il faut faire un petit nœud comme ça ici, là, hein, oubliez pas, mais peut-être pas comme ça en fait, là. Et genre, tu sais, un peu comme à la foutaise, genre, comme, yeah! Ok, genre, next outfit. Je voulais aussi vous montrer que j'ai acheté ces chaussures-là ici au H&M. 29,99, guys. Est-ce que c'est ça? Ouais, 29,99. Ils sont vraiment cute. Mais, je sais pas, on dirait que sur moi, I don't know. Mais qu'est-ce que j'aimais, c'est que c'est beau aussi avec les petites chaussettes comme ça ici, noires en bas de nylon. Comme chose, ça faisait comme un peu style, genre, bottes un peu. C'est les bottes genre toutes comme sur le pied. Mais ça fait un peu ce style-là, mais comme sont un petit peu grandes,
Donc ça ici, je pense pas comme les garder, mais comme je les aime vraiment, c'est juste que on dirait que genre sur moi, I don't know, it's just not it. Comme on dirait que, je sais pas, peut-être pas ceux-là, mais genre j'adore les escarpins, puis comme genre vraiment. Puis ceux-là, qu'est-ce que j'aime, c'est que le bout à l'arrière, je vais vous montrer, le bout ici à l'arrière, ben comme il est carré, donc j'aime vraiment ça. Puis ici à l'avant, ben ça fait comme un V, genre j'aime vraiment ça. Comme je trouve, c'est vraiment comme une belle chaussure pour 29,99 guys. Comme run and go buy them. Si c'est votre genre puis vous aimez ça là, comme, mais comme moi il m'aurait fallu genre 606. Ça c'est des 7. Ben attends, oh! Ok, parce qu'ils écrivent 7 US, mais ils écrivent 38. Mais c'est pour ça qu'ils me font pas. Moi, j'étais un 7 US, mais comme, je travaillais aux Browns, ok? Puis comme, normalement, 37, c'est 7 US. Et là, c'est ça, c'est 38. Fait que c'est pour ça qu'ils me font pas. Duh! Si on se fie juste comme au US size, I would recommend you guys to size down. Un autre morceau que j'ai acheté, la robe vient de chez H&M, elle est 39,99 guys, puis j'adore la matière, tu sais comme c'est une matière genre, je pense que ça disait sur l'étiquette 70% viscose, donc c'est very comme stretchy, comme j'adore ça, puis ça c'est une genre de matière que même si tu la laves comme ça va être beau, ça va rester beau, puis ça c'est un harnais que ma mère, elle a acheté à BCBG sur Rodeo Drive, puis elle me l'a juste comme donné parce que je le mettais tout le temps. Puis elle a juste comme décidé de genre, you know what, just keep it. So, moi je l'adore, je le mets quand même régulièrement. Ça fait longtemps que je l'ai. Puis, comme, yes! Oups. Avec les petits loafers de chez H&M, avec les petits bas, je trouvais ça cute. Ça pourrait aussi être comme ceci. Encore une fois, sur moi, je trouve que les escarpins comme sont pas genre just it's not it, mais comme j'aime ça. C'est parce que c'est pas la bonne pointure. Fait que des escarpins quand c'est pas la bonne pointure, comme it just doesn't work. It doesn't look good. Donc un peu plus petit, I guess ça serait plus beau. Puis vous pourriez aussi le mettre avec un petit t-shirt blanc en dessous, donc ça vient comme un peu coupé, avec des petites bottes pour l'automne. Puis je remettrais pour ma part le harnais, donc ça pourrait être une autre façon de porter la robe. Et puis une autre façon de porter la robe avec des sneakers, le blanc vient comme rechercher le petit blanc ici du t-shirt. Ça fait comme plus casual, sporty. Aussi guys, le blazer, je le mettrais avec juste comme des leather leggings. D'ailleurs, sur les vins du H&M, je me rappelle plus combien ils m'ont coûté, sûrement la paire genre 29,99. Mais j'en ai vu en magasin, genre je pense que c'est les mêmes. Comme moi je les aime, sérieusement guys, je les mets genre tout le temps. Puis genre, un petit crop top avec le blazer, comme, obviously, comme, it's nice. Puis c'est une autre façon de le porter, le blazer, plus comme en top, si je peux dire. Puis ça peut aussi être avec soit les petits bottillons pour l'automne, ou encore une fois avec les loafers, ou ça pourrait genre être avec les mules, plus comme a little bit more dressy, pour genre aller souper ou comme relaxer, comme aller au travail ou... Comme sérieusement guys, le blazer c'est vraiment un bon passe-partout, puis comme j'aime tellement genre le pattern du blazer, comme c'est genre même plus beau en vrai là, pour vrai. Comme I love it! Next outfit, j'ai acheté ça ici au H&M, je l'avais vu online, je l'avais vraiment aimé, il est 29,99, je l'ai acheté en extra small, oh my god, j'ai oublié de dire les grandeurs pour toutes les autres, well, je vais les mettre dans la description en dessous de la vidéo,
Donc, c'est extra small parce que je trouve qu'il est fait un peu grand. Comme j'avais pris le small, puis guys, il m'arrivait genre jusqu'au genou, là, comme c'était un peu trop, là, je trouvais à mon goût. Donc, j'ai pris extra small. Donc, make sure to size one size down. Puis, ça. Donc, là, j'ai mis un t-shirt que je pense que j'ai acheté au H&M. Ça fait un bon bout, là, vraiment basic, lisse. Lisse. Donc, ça pourrait être avec des mules, ça pourrait être avec des petits bottillons lacés ou les chaussures comme ça ici. Je vais mettre l'autre. Donc, ça pourrait être avec ces chaussures-ci, les escarpins. Ou moi, j'ai envie de les mettre avec les New Balance. Donc, je trouve que ça faisait comme décontracté, le fun, mais tu sais, ça faisait quand même automne. Puis ça, j'avais vu en ligne. Puis j'adore la couleur. Puis, ouais, non, j'aime vraiment. Donc ça, c'est une chemise que j'avais dans mon garde-robe avec encore l'étiquette que j'avais achetée au Zara. C'était 39,99. Je l'avais jamais portée parce que j'aimais pas qu'il y avait genre le petit brillant à l'avant. Je l'avais jamais portée à cause de ça ici qui était un peu brillant, comme c'est juste moins mon style. Mais là, avec ce petit pull-là comme sweater, je peux dire, ben, je trouvais que c'était parfait parce qu'on n'allait pas voir le brillant. Cette chemise était assez longue pour que ça puisse dépasser un peu sur les côtés. Donc la chemise est un petit peu longue à mon goût, donc je la rentre un petit peu dans mes, leggings. Là, je viens juste un petit peu tirer, juste pour qu'on voit un peu sur les côtés. Et je viens un petit peu monter les manches. Ça fait un petit peu plus comme dressy or like corporate, si je peux dire. Puis vous pouvez changer comme les chaussures pour les escarpins ou les petits loafers, encore une fois. Puis dans mon cas, j'aimerais mettre aussi le harnais comme ça ici. Je trouve que ça fait comme différent, je trouve que ça ajoute un petit quelque chose au outfit. Puis en arrière, c'est comme ça ici. Donc c'est un harnais qu'on peut mettre soit à la taille puis ça descend de ce côté-ci ou vers le haut. Donc je trouve que ça fait comme edgy, le fun, vraiment différent. Donc j'aime vraiment ça. Guys, pour de vrai, il y a tellement plein de belles affaires au H&M puis au Zara. Comme guys, je l'ai acheté le magasin au complet au Zara. Pour vrai, là, comme il y a juste trop de belles affaires. Puis comme moi, j'achète beaucoup, beaucoup en ligne pour le Zara, mais pour de vrai, comme, ça dépend quelle succursale que vous allez, mais comme Zara Rocklin, la disposition, la mise en place, comme, c'est genre, tu vois tellement bien tout, puis t'as envie d'acheter tout, comme, c'est un limite dangereux. Puis au H&M, genre, les prix sont tellement bons, puis je trouve qu'au H&M, en passant, comme, pour les pantalons, je les ai achetés en... Juste vous dire vite vite les grandeurs, comme ça vous n'avez pas regardé dans la petite description en bas, mais si jamais ça va être, tout va être marqué en bas. Mais les pantalons, j'étais un 4, puis avant j'étais un 6 au H&M, ok? Parce que je trouvais que les pantalons étaient faits petits, puis j'ai l'impression qu'ils ont vraiment comme changé leur grandeur, ou peut-être qu'ils ont comme, je sais pas, maintenant il y a plus de morceaux avec comme de la viscose, donc ça fait que c'est plus stretchy. Alors non, mais je pense qu'ils ont juste comme vraiment changé leur grandeur parce que j'étais vraiment comme un 6 avant, comme je comprends pas. Puis là, j'étais un 4, mais en tout cas. Donc juste pour le dire, comme si vous achetez en ligne, comme ça peut être un petit peu risky, juste dans le sens que tu peux pas aller rembourser ou échanger en magasin. Il faut que tu renvoies comme par la poste. C'est un petit peu comme annoying, selon moi. Donc c'est pour ça que comme moi, ça me limite à acheter en ligne parce que tout d'un coup, c'est pas la bonne grandeur. Au Zara, qu'est-ce que j'aime, c'est que tu peux rentrer sur leur app, leur site, comme tes mesurations et tout, puis comme ils vont te le dire pour chaque morceau, comme si ta grandeur change. Donc moi, pour de vrai, acheter en ligne Zara, comme j'adore, c'est tellement simple, puis tu peux comme retourner genre en magasin, comme c'est juste amazing. Donc, bref, tout ça pour dire que H&M, je suis un petit peu comme réticente à acheter en ligne, mais là, comme j'ai l'impression que c'est ça, ils ont changé leur grandeur, donc je suis vraiment un 4 parce que j'ai essayé plusieurs pantalons, puis comme je les ai toutes pris en 6, puis là, finalement, comme je suis vraiment un 4 dans tous les pantalons. Donc juste pour dire qu'on dirait qu'ils ont changé leur grandeur. Donc juste de porter attention à ça. Et puis le blazer, je l'ai pris en small.
L'été, j'ai fait un peu comme daddy style, oversize. Donc ça, c'est comme true to size, I would say. Et puis, la robe, je l'ai pris en extra small, guys. Je pensais que j'avais essayé un small au début, donc j'étais comme retournée pour prendre un extra small, mais finalement, c'était un extra small que j'avais essayé, donc comme I would size down for the dress. Parce que normalement, c'est ça, j'étais un small, puis j'ai pris extra small. Je sais pas, j'aime ça ample, mais comme il y a ample puis ample, you know what I'm saying? Puis, ça ici, encore une fois, H&M, j'ai pris un small, true to size, le petit cardigan. Ça, c'est vraiment comme un must, guys. C'est juste comme avec une petite jupe, avec un pantalon propre, comme c'est juste vraiment un bon passe-partout. Et puis, ben, j'ai pris un small pour le trench que j'adore, guys. I'm in love, I'm so pretty. Ça, c'est vraiment comme l'élément, ça là, c'est vraiment l'élément clé de mes achats. Avec pour de vrai le suit, genre, j'aime trop le suit que j'ai acheté de chez H&M. Comme, I'm just really in love avec tout ce que j'ai acheté. Puis, guys, je veux juste faire un petit, comme, rappel sur les loafers. Guys, 29,99 au Zara, il y avait les mêmes. Comme, oui, le cuir était un petit peu plus comme mou, mais comme, c'était vraiment, comme, vraiment, vraiment la même chose. Puis, eux, c'était, Zara, c'était 80$, guys. So, run to H&M, acheter en ligne, comme, pour de vrai. Je trouve que, comme, c'est vraiment un bon passe-partout, autant corporate, autant, genre, tu sais, ça peut être porté comme, tu sais, relax, genre, c'est ton style. Je trouve que c'est vraiment des beaux petits loafers. Puis, je trouve que, comme, ils ont pas de l'air, genre, cheap tant que ça là, je trouve que comme ils sont bien faits là, donc ça je suis vraiment contente. Puis guys, il y avait genre juste ma grandeur, donc ben en magasin où est-ce que moi je suis allée cette journée là il restait juste ma grandeur, donc c'était vraiment comme meant to be and I'm so happy. Donc c'est ce qui résume mon petit haul pour l'automne. J'espère que vous avez aimé ça et puis que ça a donné comme de l'inspiration pour vos outfits pour l'automne. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours reach out to me through Instagram or comment below. Donc, guys, je suis allée aussi au Sephora et j'avais envie de vous montrer les achats que j'ai faits. J'ai pas beaucoup dépensé, j'ai juste acheté deux petits produits que j'avais besoin de renouveler. Donc, je voulais les partager avec vous. Le premier, c'est mon sérum 100% Plant Derived Squalene. Puis, le deuxième, c'est Retinol 1% in Squalene. Donc, juste vous expliquer brièvement, là, c'est deux très, très bons sérums à incorporer dans votre routine de soins pour la peau, peu importe ton type de peau. Moi, j'ai un type de peau qui est sensible, voire sèche. Utiliser, en fait, l'ingrédient squalene dans sa routine de soins pour la peau va vraiment permettre d'hydrater en profondeur pour une peau qui est plus d'apparence plus jeune, plus glowy, radiant, plus lisse, douce, soyeuse, name it, comme... On peut jamais trop hydrater notre peau, que t'aies la peau à tendance plus basse plutôt que sèche. C'est juste vraiment important d'hydrater sa peau. Puis même si la peau est plus grasse, il faut pas avoir peur de mettre de la crème, surtout avant d'aller dormir. Badigeonnez-vous de crème, guys. C'est tellement important. Votre peau en a besoin, malgré qu'elle produit plus de sébum. C'est vraiment, vraiment important. Puis l'autre, c'est ça, le retinol. C'est super important, guys, d'incorporer ça à un très jeune âge, comme peut-être, je dirais, début vingtaine. Parce que, dans le fond, ça, c'est bon pour tout ce qui est au niveau de la texture de la peau. Donc, si tu as des cicatrices, some scars, or more of a dual type of skin, textured, ça, c'est excellent. Donc, ça va venir unifier la peau. Puis, ça l'aide beaucoup aussi pour les signes de vieillissement. Donc, ça ralentit les signes de vieillissement. Donc, si t'as un petit peu de rides, de lignes, puis ça commence jeune, puis on s'en rend pas compte. Tu sais, mettons, quand on rit, on va avoir des lignes ici. Tu sais, dans notre front, on va avoir des lignes autour des yeux. Donc, c'est très, très important d'incorporer un peu de retinol dans sa routine de soins pour la peau pour prévenir, justement, ralentir les signes de vieillissement. Et puis, je veux dire, on peut jamais avoir une peau trop soyeuse et lisse et douce. Tu sais, on a toujours un petit peu de texture, si je peux dire. Donc, juste incorporer un peu de retinol fait toute la différence. Pour vrai, c'est vraiment un excellent ingrédient. J'ai trois produits que j'ai essayé de Ordinary, puis les trois, je suis vraiment contente. Mais je dois dire que ces deux-là, c'est vraiment avec eux que j'ai vu des différences au niveau de ma peau. Donc, c'est pour ça que je les partage avec vous, puis que je vous recommande vraiment fortement d'aller vous les procurer. Puis c'est tellement pas cher. Ça, c'est les deux petits samples que j'ai eus. Parce qu'en fond, j'ai demandé d'avoir des samples, parce que j'achète tout le temps en ligne. Puis en ligne, tu peux toujours... choisir comme deux ou trois. Je pense qu'avant c'était trois samples et maintenant c'est rendu deux.
I don't know. But anyways, comme tout le temps des petits goodies comme en ligne, tandis qu'en magasin, comme j'ai l'impression qu'il y a, comme ils t'en donnent jamais, comme il faut que tu demandes. Donc bref, là j'ai demandé, j'ai comme ah, je peux avoir des samples, comme sûrement que je fais la customer genre annoying, but I really don't give up parce que genre online, il y en a, tu t'en as tout le temps. Bref, en tout cas. Puis j'aime ça essayer des nouveaux produits, tu sais. Donc je sais pas, genre j'ai pas pu choisir là, mais comme elle m'a donné le Sol Janeiro, je sais pas, je le dis correctement, mais en tout cas la petite crème. Puis j'ai eu le Tatcha The Water Cream. Donc j'ai aussi reçu un packet cette semaine d'une amie qui a parti sa beauty skincare line. Ça s'appelle Sienna Beauty. Donc les premiers produits qu'elle a lancés, ce sont des patchs pour les under eye patches. Donc pour le dessous des yeux, c'est des patchs de silicone anti-rides lissants pour les dessous des yeux. Deux paires de patchs réutilisables, guys. We love that. En silicone de qualité médicale. Comme le Lumi Spa, we love that. On va écrire une petite note ici. So cute, j'adore le packaging. Et puis c'est ça, c'est des patchs réutilisables comme yes. Et puis, les patchs sous les yeux Dream Patch de Sienna Beauty sont une solution simple et efficace pour lisser les rides, les ridules et les pas de doigts qui peuvent être causés par le vieillissement, les dommages causés par le soleil. Mettez de la crème solaire, guys. Mettez de la crème solaire. et dormir sur le côté. Ouais, il me faut des têtes d'oreiller en soie, définitivement. Les patchs favorisent la stimulation du collagène et la réparation naturelle de la peau. Entre autres, elles peuvent également être utilisées sur les cicatrices pour en diminuer l'apparence. Utilisées en continu, les rides seront plus lisses et la peau sera plus hydratée, plus fraîche et plus lumineuse. Yes! J'ai tellement hâte d'essayer ça. Donc, guys, make sure to check her out. Je mettrai son Instagram handle in the description below. So, guys, this is all that I got for today's video. Hope you loved it. I hope you love my fall haul. And make sure to let me know which outfit you like the best. If there's some pieces that you would like to get for yourself, I would love to know. So, make sure to let me know in the comments. And see you guys in my next video. Bye, guys.